Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a fait une super balade. On a fait environ 250-260 km. On arrive en fin de parcours, c'est pour ça que je vous en parle. Vous allez voir un petit peu. On a visité des paysages à couper le souffle véritablement. Alors, sans plus tarder, j'envoie les images. Et je vous dis bonne vidéo. Enfin, j'espère tout du moins. Allez. Allez, on va boire un café, manger croissant, chocolatine. Et puis par contre, je sais pas du tout où on va aller aujourd'hui parce que je veux pas me dire du tout. Le gros là-bas, avec sa grosse moto. Alors on va voir, je sais pas où on va. Allez, on va boire un coup de vin. Savoir, c'est que je l'ai titillé, Didier, histoire d'avoir une idée du parcours. Alors, il m'a dit ce matin, on va partir, j'ai travaillé un peu sur le trajet, mais je l'ai augmenté un petit peu. Tu vas voir. Alors j'ai dit, écoute, envoie-le-moi le trajet, comment tu l'as appelé? Waouh, il me dit. Ouais, waouh, mais ça m'en dit pas plus, le problème il est là. Donc je sais qu'on va aller visiter un lac, on va probablement aller en montagne. Enfin, j'en sais trop rien au juste, donc on le suit, bêtement, mais on en prend plein les yeux.
Lac de Castellane. En fait, je voulais sortir le drone, mais Didier m'a dit que c'était pas la peine. Interdit. Zone militaire. Ah, regardez ça. Parce que là, comme ça, l'eau, elle est juste... Elle est à 3 mètres en dessous, on va dire. Mais je crois que de l'autre côté, ça va pas être la même limonade. Alors là, apparemment... Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est pas la même chose. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, le barrage, il est vraiment sur les perrons rocheux, là. Oh. Ah oui, oui. Histoire de la construction du barrage. D'accord. Mis en service en 1948, ah oui, il est pas jeune le truc. Hauteur de chute 90 mètres, 51 mégawatts quand même. Ouais, 149 millions de mètres cubes, me dit Didier. C'est ce qu'il a lu du reste sur le truc, mais... Ça représente, tu disais... 4000 piscines olympiques. 4000 piscines olympiques, t'imagines le truc? C'est du lourd. Alors ce que l'on voit, les traits là, je ne savais pas, je viens de le découvrir. En fait, c'est un cadran solaire. Voilà, c'est le plus grand cadran solaire du monde, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Bon, il m'avait prévenu, faire le plein parce que la route sera longue. Mais entre Grenoble et Digne-les-Bains, je pense que c'était Digne-les-Bains. En attendant, on passait des tunnels, et à chaque fois, on voyait ce lac interminable.
Nous avions parcouru un bon nombre de kilomètres déjà. Et faut admettre que le paysage commençait à changer. C'était déjà beaucoup plus montagneux. Les arbres n'étaient plus vraiment pareils. Et puis, regardez ça, il y avait de la falaise. De doute, nous étions bien dans les Alpes. C'était indiqué partout. On avait pas mal roulé. Les motos avaient besoin de se refroidir un petit peu. Et nous, on a besoin de faire une pause aussi. Alors, devinez où nous étions. Nous sommes à Colmar. Donc, voilà. Colmar. Les Alpes. On a fait un petit tour de cette ville fortifiée en cherchant en même temps de quoi boire quelque chose et puis un restaurant. Et d'un seul coup, ça a été le déclic. La Vierge nous est apparue. Regardez ça. Parfait. Une petite terrasse à l'ombre. Peinard. Au canard, on s'en fiche, mais j'en connais un qui va craquer ce camembert au four. Pourtant, le climat, il est chaud. Eh ben, passez, madame. On est à Colmar. Colmar, les Alpes. Et ah oui, parce qu'il y a Colmar et Colmar les Alpes, hein, si j'ai bien tout compris. Voilà. Et bien évidemment, on est là pour manger. Miam miam glouglou. Miam miam glouglou. Et à force de le travailler au corps, on a fini par l'avoir cette trace GPS. Ça n'a pas été facile. Mais par contre là, c'est moi qui ne vais pas vous dire où on va. Thank you.
ce que, perso, j'appelle la beauté naturelle. C'est ça. C'était immense, splendide. À couper le souffle, véritablement. Mais la trace GPS, vous l'aurez en bas, dans le descriptif. Pour ceux qui aiment les sensations fortes, faut regarder à gauche et à droite de la route. Mais surtout, il faut pas louper un virage. Et dès que l'on passe les 1800 mètres, vous allez voir, le paysage est complètement transformé. Motards, ce qui était dangereux, c'était les pierres qu'il y avait un petit peu partout sur la route, et certaines étaient assez grosses. Et là, bien sûr, j'ai pas pu faire autrement que d'envoyer le moustique en l'air. Thank you.
Et nous sommes repartis. Là, Didier m'a fait un petit sourire en coin, d'un air de dire « Attends mon garçon, c'est pas fini ». Alors, vous allez voir, je comprends pourquoi il a dit ça. Il y avait vraiment de très bonnes raisons. C'était génial. Déjà, on perdait de l'altitude. Je savais que de toute façon, c'était plus véritablement de la montagne, probablement de la gorge. Mais je m'attendais véritablement pas à trouver ce genre de paysage. Vous allez voir, c'est super chouette. Nous sommes descendus, on a fait quand même pas mal de kilomètres. La route était tout aussi tordue, je dirais. Regardez ces virages qu'il y a. Mais c'était très agréable malgré tout. Un vent frais, donc tout allait bien. Et petit à petit, vous allez voir, la roche va changer. Elle va passer au brun, même presque du bordeaux comme couleur. Et de plus en plus, des tunnels. C'était une fraîcheur là-dedans. Franchement, on aurait voulu qu'ils fassent 10 km les tunnels. Et regardez ce paysage. Vous allez voir petit à petit, les couleurs des roches, ça change. Nous n'étions plus dans la montagne, pas plus dans la plaine, à mi-hauteur je vais dire. Mais tout avait changé véritablement. Regardez les roches en face, elles sont rouges pratiquement. Et je pense que Didier devait se dire, ça y est, là je vais les emmener dans un petit truc sympatoche, le wow. Regardez, on y va. We'll be right back.
La route est coupée en deux, en fait. Il y a une partie, côté roche, qui est dans un tunnel, bien souvent. Très rare que le tunnel soit à deux voies. Et vous allez voir, parce qu'on va faire autre chose encore. Campingaristes, aucun problème. Car voyez-vous, paradoxalement, on a vu des gros poids lourds passer par là. Et on est reparti dans l'autre sens. Et oui, quand on est dans les tunnels, on voit pas forcément tout. Alors que là, sur la partie extérieure, on voit tout ce canyon, tout le côté vertigineux. Thank you.
remercie du fond du cœur Christine et Didier de nous avoir fait visiter cette région et nous avoir emmenés dans des endroits aussi incroyables que ça. Et nous arrivons au pont de la Mariée. Alors cet ouvrage tire son nom d'un fait divers qui s'est déroulé le 30 juillet 1927. Un couple de jeunes mariés est en voyage de noces à Guillaume, c'est un village tout à côté. Ils décident, au crépuscule, de visiter les gorges de Daluy. Leur voiture s'arrête au premier pont de leur route, autrefois pont du tramway. Une heure plus tard, le jeune époux remonte au village, affolé, déclarant que son épouse s'est penchée pour regarder les gorges et en est tombée. On n'a jamais véritablement su la vérité sur cette histoire. Le pont est toujours là, le tramway a disparu, mais il y a un sentier qui passe par ces tunnels et qui est assez long apparemment. Je vous y invite d'ailleurs, sans votre femme. Quand on est parti se promener, Didier m'a dit, tu vas voir, je ne te dis rien, t'as pas le parcours, t'as rien du tout. Mais j'ai intitulé la trace, waouh. Alors, je pense qu'après tout ce que vous avez vu là, le waouh, il y est véritablement. On en a pris avec Manu, plein les yeux. C'est fabuleux. C'est un paysage, j'aurais le faire dans d'autres saisons, je pense que je vais le faire dans d'autres saisons, on va voir ça. Mais c'est incroyable, c'est super beau. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, que dire, à très bientôt, c'est tout. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.